en ces premiers jours du printemps qui suivent l'équinoxe du 21 mars, Nowruz, le nouvel an persan, le jardin du paradis est encore bien dépouillé malgré le ciel clair. Le palais du Bar et Ferdos, le jardin du paradis, est une grosse villa d'époque tardive, bien caractéristique du rococo d'époque Rajar. Son zirzamin, sa grande salle inférieure à demi enterrée, est couverte d'une fabuleuse voûte de stuc à triple coupole, fourmillante de stalactites, l'une des plus extravagantes de toute la Perse. La chanteuse Parissa, qui va interpréter un tasnif, prélude avec ce chant d'origine populaire à l'heure que nous allons consacrer à la poésie, à la musique et à la peinture persane. گفتم غمت تو دارم گفتا غمت سرآید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد گفتا مگوی با کس تا وقت آن سرآید گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد گفتا خموش حافظ که این قصه هم سر آید شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت که محب صادقان است که پاک باز باشد به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد نه چون این حساب کردم چو تو دوست می گرفتم که سنا و حمد گوییم و جفا و ناز باشد دگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی که
که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، یار تو سوی مستان روی، مستانه شو مستانه شو. Dans le sud du pays, à Shiraz, à 1000 km de Téhéran, les premiers jours du printemps ont déjà épanoui les fleurs, les feuillages et toutes les senteurs du hafézier, le merveilleux jardin dont la piété des persans a entouré le tombeau du grand poète Hafez. Comme ses camarades de lycée, Ali Arirat, qui a dit un poème de Hafez, et Mohammad Moalem, qui a dit Sahadi, la jeune Firouzeh Efafi était en train de réciter Divan et Chaud, une ode de Maulana, que nous interrompons ici pour écouter ce même poème chanté par le maître Ravi Sarvestani. La musique, quasi proscrite dans les anciennes civilisations islamiques où elle n'avait pas de justification d'ordre religieux et particulièrement liturgique, s'est tout de même épanouie en Perse, où elle a d'antiques origines bien antérieures à la venue de l'islam, que ce soit dans l'empire achéménide ou à l'époque sassanide. À l'ère musulmane, puisqu'elle était proscrite à la mosquée, la musique s'est perpétuée à usage séculier et laïque dans l'entourage des princes. D'autre part, aux limites incertaines de l'orthodoxie religieuse et du mysticisme ésotérique, elle fut encouragée par les derviches, souvent tout à la fois mystiques, poètes et musiciens, qui se regroupaient en sectes auxquelles on donne trop hâtivement en Occident le nom générique de soufisme. Pour eux, la fonction première de la musique était de déployer plus largement le poème par le chant, d'en diffracter et d'en faire vibrer à l'infini les virtualités lyriques grâce aux ornements vocaux et instrumentaux qui sont consubstantiels à la musique persane. Tant il est vrai, comme l'écrit Darius Savat citant un proverbe indien, qu'une note sans ornement est comme une nuit sans lune, une fleur sans parfum, une femme aimée sans bijoux. L'orchestre qui entoure Reza Rasavi Sarvestani est réduit. Tout au long de son radif, de son chant, il va dialoguer avec Jalal Solfounoun, virtuose inspiré du setar, et avec Mohammad Moussavi, maître du ney, littéralement le roseau. C'est Morteza Ayan, enfin, qui joue du tombak ou zarb, le tambour persan. حیلت رها کن عاشقا، دیوان شو دیوان
پروانه شو Après avoir chanté les premiers vers de Divan et Chaud, sans trop encore en déformer la prosodie, le maître Razavi va maintenant faire éclater le poème, l'atomiser en quelque sorte, pour élever la mélodie, comme on dit en persan, en un magnifique crescendo d'ornements vocaux ou tahrir, avant de terminer piano, pianissimo.
جان را طرب افزودی چون عاشق جان گشته ای جان Retournons au Hafezier, où Firouzé et Fafi reprend le poème de Maulana, là où nous l'avions interrompu. Avant qu'une autre lycéenne Shirazi, Mary Moradar, enchaîne en haut des marches avec un précieux poème du grand Hafez, celui-là. ای شمس تبریزی بیا در جان جان داری تو جا جان را نوا بخشا شها جانانه شو جانانه شو تاز می خانه و می نام و نشان خواهد بود سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است ما همانیم که بودیم و همان خواهد بود بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود بر زمینی که نشان کف پای تو بود سالها سجده صاحب نظران خواهد بود برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز تا که را خون دل از دیده روان خواهد بود ای به مستان مکن ای خواجه که از این کهنه رباط کس ندانست که رحلت به چه سان خواهد بود چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود Sur les derniers vers de Tazé Mehrané de Hafez, dit par Mary Moradar, quittons Shiraz pour Ispahan, où nous pénétrons dans la belle maison du vieux maître Ali Saha Jadi, qui perpétue l'art de la miniature. L'art de la miniature, qui est l'essentiel de la peinture persane, est lui aussi, comme la musique, un prolongement, comme un écho de la poésie. Sous forme de miniature, contenue dans de précieux manuscrits, la peinture persane a longtemps eu pour vocation exclusive d'illustrer les recueils ou divans des grands poètes que rois et princes commandaient pour leur délectation personnelle. Ramsa, de Nizami, Bostan ou Golestan de Saadi, divan de Hafez, mais par-dessus tout, l'art de la miniature a été porté à ses sommets dans les grandes éditions successives du Livre des Rois ou Shahnameh de Ferdowsi, celui des grands poètes persans que nous n'avons pas encore évoqué ce soir. Hafez, probablement, est le plus cher au cœur des Iraniens. De Maulana, ils vous diront qu'il est le plus sublime, lui qui seul sait dire l'indicible, seul exprime l'ineffable. Saadi est adoré des persans qu'il divertit par son humour subtil et la fraîcheur exquise de ses contes. Le mathématicien Omar Khayyam l'emporte sur tous par la concision étincelante de ses fameux Rubaïya, depuis longtemps connus en Occident grâce à la traduction qu'en donna au XIXe siècle Edward Fitzgerald.
mais par l'étendue, 40 000 vers, et la puissance de son inspiration, l'épopée nationale de l'Iran depuis l'origine des temps, Ferdowsi, qui composa le Shahnameh, le livre des rois vers l'an 1000, mériterait vraiment le titre de père de la nation. Admirablement calligraphiés par le calame inlassable des scribes, les 40 000 vers de l'épopée de Ferdowsi sont, sur chaque page de velin, cernés de précieuses enluminures qui, sur les frontispices, pages de garde et dédicaces, déploient leur fastueux tapis aux entrelacs toujours renouvelés. La première des miniatures, au bas d'une page de texte, est un hommage au pauvre Ferdowsi que son protecteur, le sultan Mahmoud de Rasna, n'eut pas la générosité de récompenser dignement quand il eut achevé son œuvre en l'an 400 de l'Égire, soit en l'an 1010 de l'ère chrétienne. Par dépit, Ferdowsi composa une satire restée célèbre où il proclame que si le sultan Mahmoud n'avait pas eu un esclave pour père, il aurait su comment agir en homme libre et généreux envers un poète qui lui avait valu sa vie. Le grand roi légendaire Jamshid, qui, selon Ferdowsi, régna 700 ans, nous est donné comme le créateur des industries et des arts qu'il apprit aux hommes. Il était de tradition qu'un somptueux Shahnameh fasse partie des joyaux de la couronne de tout prince ou shah de Perse. Hélas, des nombreux livres des rois commandés par des princes entre le XIVe siècle et le XVIIe siècle, où l'art de la miniature connut son apogée sous les premiers Safavides, il ne reste rien ou presque rien en Iran. Les vicissitudes de la puissance, le butin des conquérants, la mainmise plus ou moins directe de l'impérialisme européen au XIXe siècle ont dispersé les fabuleux manuscrits à Istanbul, au Caire, Saint-Pétersbourg, Paris, Londres et Washington. L'héroïque prince Faridoun, fils de Jamshid, après avoir transporté le méchant roi Sahak sur le mont Damavand, le fait clouer au rocher par le forgeron Kaveh. Le roi Kekavous est victime d'un enchantement. Un dive, métamorphosé en ménestrel, lui chante la louange du Mazandaran. Le Mazandaran, province caspienne de l'Iran moderne, était considéré par Ferdowsi comme faisant partie du Touran, ennemi de la Perse. C'est un piège que le dive, qui en fait est un démon, tente à la sagesse du roi. Romstam est le grand héros du Shahnameh. Ses combats sont innombrables, aussi héroïques que ceux de Siegfried ou ceux de Roland. Monté sur son fameux destrier Harsh, il défait les Touraniens au nombre desquels le Rahan de Chine, qu'il arrache de son palanquin au lasso. La rencontre de Zal et Roudabet. On remarquera à droite les trois musiciennes. Mais citons Ferdowsi à propos de la belle Roudabet. Sa face est plus brillante que le soleil. De la tête aux pieds, elle est comme l'ivoire. Ses joues comme le ciel à l'aurore, et sa taille comme le saule. Ses yeux sont deux narcisses dans le jardin. Sa bouche est la fleur du grenadier, sa lèvre une cerise. Et sur ses seins d'argent poussent deux grains de grenade. La belle, la douce Roudabet de Ferdowsi, n'est-elle pas la sœur de ces princesses des grands mythes indo-européens qu'a recensé et analysé Georges Dumézil? Si belle, si blanche de peau et si transparente qu'on voyait l'eau couler dans leur gorge quand elles buvaient. Le Shahnameh de Baysonhor, que nous pouvons admirer ici, est le seul grand exemplaire du Livre des Rois à peu près intact qui soit encore conservé en Iran à la Ketabkhane ou Bibliothèque nationale de Téhéran. Baysonhor, du nom du prince Timouride qui, au XVe siècle, donc relativement tôt, ordonna sa composition aux ateliers de Hérat.
Les deux magnifiques miniatures des chasses royales se passeraient de tout commentaire si elles n'étaient la reprise par les miniaturistes du XVe siècle d'un thème favori de la société sassanide 10 siècles plus tôt. Entre les grands bas-reliefs rupestres du Tar et Bostan près de Kermanshah et ses délicates peintures, il y a toute la stupéfiante continuité de la Perse à travers les bouleversements de l'histoire. Le Livre des Rois évoque mythiquement l'histoire de l'Iran avant l'islam. Ferdowsi y mélange pêle-mêle une cosmogonie qui fait sortir le monde hors du néant aux débris disparates de ce que la mémoire des anciennes chroniques et la tradition orale pouvaient avoir transmis à un homme du Xe siècle de l'histoire des Achéménides, des Parthes et des Sassanides. Le valeureux Rostam, encore lui, qui tue un démon, le Div Blanc. Autre grande bataille, elles sont nombreuses dans le Shahnameh, celle du chat Khérosro contre son ennemi Afrasiab. Ces batailles sont toujours titanesques, car les armées innombrables mobilisent des centaines de milliers d'hommes. Il mena dans la plaine ses guerriers, si nombreux que lorsque s'éleva la poussière de leurs pas, l'éclat du soleil en fut obscurci. La plaine disparut, et la montagne, et la vallée, et tous les reliefs furent nivelés sous le pas des éléphants. Un thème anime toute l'épopée de Ferdowsi. C'est celui de la naissance de la Perse comme nation à travers la lutte entre Iran et Touran. Le Touran, c'est la steppe extérieure au plateau iranien d'où sont venues toutes les invasions qui ruinèrent tant de fois les civilisations de la Perse. Ferdowsi, s'inspirant en cela de la tradition zoroastrienne, puisque c'était déjà l'antique combat entre Ahuramazda et Ahriman, assimile évidemment le combat entre Iran et Touran à la lutte entre le bien et le mal, à l'issue duquel le bien triomphera. Quatre officiers apportent au prince Loraspe, qui vient de monter sur le trône, la nouvelle de la disparition de son prédécesseur, Khérosro. Par un juste retour des choses, Ferdowsi, qui fit de son épopée la somme des traditions orales de l'Iran ancien, est lui-même à l'origine d'une longue tradition orale dans la Perse islamique. Jusqu'au début de ce siècle, les Nahals, conteurs, comédiens ambulants, allaient de village en village, récitant, mimant, chantant pour des paysans souvent illettrés, les récits épiques du Livre des Rois. C'est aussi Ferdowsi qu'on récite et chante au gymnase iranien, la Zurhaneh, pour stimuler les athlètes par l'exemple de Rostam et des héros immortels du Livre des Rois. Esfandiar tue le roi Artjasp en combat singulier après avoir investi la fabuleuse forteresse d'airain qui lui sert de repère. Étonnante vision d'architecture où l'on voit que rendre la perspective est le dernier souci des peintres persans. Aux lois de la perspective, ils préféreront toujours cette vision quasi-cubiste. Les artistes persans ne tentent pas de représenter la réalité telle qu'elle est. Ils utilisent une série de conventions qui soit remontent à l'époque pré-islamique, soit viennent d'Extrême-Orient, arrivées de Chine par la route de la soie. Esfandiar et Rostam devisent ensemble la veille du fatal duel qui va les opposer et dans lequel Esfandiar sera tué. Ils reprennent ces conventions telles quelles, sans éprouver le besoin de les transformer. On dirait même plutôt qu'ils cherchent encore à raffiner sur le raffinement des lointains modèles extrême-orientaux. Comme nous l'avons vu dans la scène de l'assassinat du roi Artjasp par Esfandiar, s'il ne se soucie guère de perspective, il multiplie en revanche les détails qu'il traite avec un soin et un raffinement d'autant plus étonnants
si l'on songe à la dimension de ces peintures, plusieurs fois agrandies sur l'écran de votre récepteur de télévision. Farah Martz pleure sur les cercueils de son père, le grand Rostam, et de son oncle Zavarreh. Il en est de même de la merveilleuse invention des éléments décoratifs, tapis, vêtements, architecture, qui fait partie de la tradition islamique. Mais l'enchantement vient plus sûrement encore de la richesse des couleurs pures, d'une intensité sans équivalent dans aucune autre peinture au monde. La bataille entre Bahram Choubin et Saveh le Turc. Pour comprendre comment seuls princes et rois pouvaient passer commande de ces livres fabuleux, il faut essayer d'imaginer la somme de travail étroitement planifiée sur plusieurs années qu'exigeait la conception et la fabrication de tels recueils. Le Shah, Anouchirvan, se fait expliquer le jeu d'échecs par son vizir Bozorgmer. Le jeu d'échecs, disent les Iraniens, aurait été inventé en Perse. C'est en tout cas, aujourd'hui encore, un jeu très pratiqué, sinon populaire. Yazdegerd, confiant l'éducation de son jeune fils Bahram au chef arabe Monter. Le Yazdegerd de Ferdowsi n'est plus un roi légendaire. Il a eu une existence historique. Et Yazdegerd III est bien le dernier des Shahanshahs, roi des rois, de la dynastie sassanide, dont l'empire s'effondra au 8e siècle face à l'invasion arabe qui islamisa la Perse. Le dernier des Sassanides confiant son fils à un chef arabe. Ainsi, Ferdowsi résout-il, à la fin du livre des rois, le problème de la continuité entre les époques pré-islamiques de la Perse et l'ère nouvelle qui s'ouvre avec l'entrée de l'Iran dans le monde musulman. Souvent installé dans le palais lui-même, surveillé par le grand vizir en personne et alimenté par la cassette royale, de vastes ateliers regroupaient de nombreux corps de métier pour la préparation des supports, papier, velin, cuir des reliures, le broyage des couleurs à partir de matériaux aussi précieux que le lapis-lazuli, l'élaboration savante des fixants, des cols. Mais cette nuée d'artisans n'est rien à côté des doreurs, ornemanistes, enlumineurs, calligraphes et peintres enfin, entourés de nombreuses aides dont certains peut-être deviendront à leur tour des maîtres. Durant l'heure que nous avons passée avec lui pour le cinématographier, le maître Sarah Chadi a tracé pour nous, au pinceau, deux portraits imaginaires, l'un de Hafez, l'autre de Saradi. Par un trait où il rejoint les maîtres de la Renaissance flamande ou italienne, le vieux maître Hispani a donné son visage aux deux poètes. Ces deux portraits imaginaires de Hafez et de Saadi sont deux autoportraits d'Ali Sahajati. Ne quittons pas Ispahan sans retourner dans l'ancienne enceinte royale, au palais des 40 colonnes, où la peinture murale de l'époque de Shah Abbas le Grand prend, un bref moment, le relais de l'art de la miniature, entré en une brusque décadence, égaré par les excès du maniérisme. Une fête à la cour de Shah Abbas. Cette peinture officielle, plutôt médiocre, qui orne une grande salle du palais, évoque pourtant assez bien l'atmosphère à la fois raffinée et barbare qui entourait le plus grand des rois safavides.
Mais dans les nombreux cabinets attenants, de ravissantes fresques évoquent divertissements et pique-niques auxquels le chat lui-même ne dédaignait pas de participer, entouré de ses pages. Évocatrice aussi de langueur amoureuse, elle retrouve tout à la fois la fraîcheur et le raffinement, en un mot, la poésie des miniatures d'antan. Les instrumentistes qui entourent la belle Parissa préludent par un reng où Soli et Tutti alternent au radif qu'elle va chanter sur un court poème ou ghazal de Hafez. Premier Camanché. Davoud Ganjei, second Camanché. Reza Shafian joue du santour. Et nous retrouvons Mohammad Moussavi au Ney. D'époque safavide tardive, peinte au XVIIIe siècle, Jalal Zolfounou au sétar et Morteza Ayan aux arbres. Ces dernières fresques du palais des 40 colonnes, où un jeune homme lit ou chante un poème accompagné par un joueur de sétar, annoncent par leur style abattardi la peinture du siècle suivant, l'époque Qajar, que nous allons découvrir au musée Négarestan de Téhéran. C'est le siècle de Fath Ali Shah, le grand prince Qajar, dont le portrait en pied, grandeur nature, garde aujourd'hui l'étrange et pittoresque collection du musée Négarestan.
L'influence de l'Occident sur le jadis grand art persan. À la tombée du jour, retournons une dernière fois au jardin du Hafezieh à Shiraz. Nematollah Riazi, dit Hafez, avant que son camarade Reza Hadib récite un dernier poème de Maulana. Sol-ha dil talab jam jam az ma mikard vanche khod dasht ze bigane tamanna mikard گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گم شدگان لب دریا می کرد مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش کو به تأیید نظر حل معما می کرد دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد
گفت آن یار که از او گشت سر داد بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد یار مرا غار مرا عشق جگر خار مرا یار توی غار توی خواجه نگهدار مرا نوح توی روح توی فاتح و مفتوح توی سینه مشروح توی بردر اسرار مرا نور توی سور توی دولت منصور توی مرغ کوه طور توی خسته به منقار مرا قطره توی بحر توی لطف توی قهر توی قند توی زهر توی بیش میازار مرا حجره خورشید توی خانه ناهید توی روزه امید توی راه ایار مرا روز توی روزه توی حاصل دریوزه توی آب توی کوزه توی آب دین بار مرا دانه توی دام توی باده توی جام توی پخته توی خام توی خام به مگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی عقل شدی تا نبودی این همه گفتار مرا مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم طایر قدسم و از دام جهان برخیزم به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم بر سر تربت من بیمه و مطرب منشین تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم تو مپندار که از خاک سر کوی تو من به جفای فلک و جور زمان برخیزم روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم گیلدا نگدری پور الو پور فینیر سور لا پیر تومبال دو حافظ سلوی دو سی قزال کن یا گراوی پور اپیتاف Leïli Matine et Daftari nous accueille maintenant dans son atelier de Chimiran, à Téhéran. Sa manière, devenue aujourd'hui si claire, si légère, et que sous-tend parfois un imperceptible humour, Leïli Matine et Daftari maintient, sans aucun archaïsme pourtant, la tradition poétique de la peinture persane. Portraitiste, elle ne conserve de ses modèles que l'essentiel. Sans oublier pour autant la ressemblance qu'elle leur doit. Elle aime à peindre par série, épuisant ainsi les virtualités d'un sujet. Poisson, capucine, et Chenard, ces platanes qui ombragent les jardins de l'Alborz. Sur les hauts de Téhéran, à Chémiran, le jardin de Leïli jouxte le bar et Ferdous. Thank you.
le jardin du paradis, où nous retournons une dernière fois pour entendre la belle Parissa conclure comme elle avait commencé. Avec une chanson populaire, un de ces tasnifs bien rythmés qui allient, comme toujours en Perse, le bonheur de vivre à une secrète gravité, pour ne pas dire, comme Hafez, à une tristesse cachée. الهی خون شبیه دل تو هم گشتی
هستی.